Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo haul et ouverture de courrier. Je vais commencer par l'ouverture de courrier, ça sera peut-être plus simple. Donc le premier courrier que j'ai reçu, c'est un courrier de Béatrice qui a la chaîne Béatrice Création Altea. C'est un petit échange qu'on avait fait. Moi j'avais des tampons en double, on va dire, et puis elle faisait des serre-têtes sur sa chaîne et je lui disais que c'était super sympa. J'aimerais bien en mettre dans le calendrier de l'Avent des filles. Du coup, elle m'a envoyé des serre-têtes. Alors je vais déjà vous montrer la carte. Alors moi j'adore la façon de travailler et la chaîne de Béatrice. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait des choses, de très jolies choses. Voilà. Dans le style shabby. Elle fait aussi voilà des accessoires, des choses comme ça. Et franchement, voilà, elle fait. Enfin, c'est une dame qui est très gentille et avec qui je fais des échanges ou qu'on est en contact depuis le début pratiquement que je scrape. Et c'est une personne que j'apprécie particulièrement. Donc elle m'a fait une belle carte comme ça, dans l'esprit shabby, avec de la dentelle, un papier. Rose un peu avec des artifices, enfin comme des feux d'artifice derrière. Par-dessus, elle y a mis comment dire, un tulle mais pailleté. Ensuite, elle a mis un petit cadre comme ça avec une photo de fleurs, des fleurs en mousse et une en papier. Ouais, il y a des fleurs en papier et des fleurs en mousse. Ici, on a encore une petite dentelle qui a la froncée avec des petites fleurs des petites roses comme ça en satin. Un tag où il est marqué Love, avec des demi-perles, des papillons ici en métallique, ici un autre papillon métallique sous lequel elle a mis une découpe, ça rend super bien. Et ici elle m'a mis un nœud, un petit nœud, voilà. Donc c'est une très belle carte. Alors je ne vais pas vous lire tout le mot, mais elle me dit qu'elle m'envoie les serre-têtes et que. Elle est impatiente de voir ce que moi je vais en faire, lol, un petit défi. Donc c'est un défi que je vais prendre grand plaisir à relever. Donc voilà, je vais vous montrer l'objet de cet échange. Donc elle fait des serre-têtes, voilà, comme ça, qui sont juste trop beaux. Et moi j'avais dit que, pour mettre dans le calendrier de l'Avent des filles, ça me plaisait. Et du coup, je lui ai demandé où est-ce qu'on pouvait trouver des serre-têtes vierges, on va dire, sans rien dessus. Donc elle fait la vidéo explicative, donc moi je vous montrerai le résultat de mes serre-têtes, mais je ne fais pas de vidéo tuto évidemment, puisqu'il y a déjà un tuto. Et donc elle m'en a envoyé 3, 4, je crois qu'elle en avait mis 4. Oui, il y en a 4. Elle m'en a envoyé 4, 3 pour mes filles et 1 pour Rose en fait. Du coup elle m'a dit, vu que tu as une nièce, je t'en mets un aussi pour ta nièce. Donc Béatrice, je te dis un grand grand merci pour les serre-têtes. Donc voilà, j'en ferai bonne utilisation. Évidemment, je vous montrerai quand ils seront terminés. Je pense que je ferai les 4 peut-être pas, enfin pas cette semaine parce que de toute façon on est déjà vendredi, donc voilà, ça va être compliqué, mais la semaine prochaine je vais essayer de m'y mettre. Je dois terminer le calendrier de l'Avent de maman en premier et ensuite je ferai les serre-têtes. Donc Béatrice, un grand merci. Donc c'est Béatrice Création Altea. Si vous allez dans mes abonnements qui ne sont pas cachés, qui sont publics, vous allez la trouver en fait. Ici, j'ai un autre courrier de GGBNM, pareil, qui a une chaîne. Alors, GG, je ne savais pas qu'elle devait m'envoyer quelque chose. Et GG m'a fait beaucoup rire parce que, en fait, à côté de son. Voilà, elle m'a fait un petit rappel comme ça du nom de sa chaîne. J'ai un peu. Enfin, oui, souvent, j'ai du mal à me souvenir du nom des chaînes. Et du coup, voilà. C'est comme ça. Alors, j'ai plusieurs enveloppes. Ah! J'ai une enveloppe que je mets de côté. Celle-ci, je la mets de côté. Hop. Merci beaucoup. Donc voilà, il est marqué PAM. Donc celui-là, je suppose qu'il est pour moi. Alors, ça doit être mon petit mot. Fallait pas te contrarier, je t'assure que moi ça ne me contrarie pas du tout. Donc voilà. Nous aussi on te fait des gros gros bisous GG. Et donc alors elle m'a fait un petit. Alors ça. Alors je pense que. Donc voilà, donc elle m'a fait juste une petite carte en me disant qu'elle me préparait un autre envoi. Voilà.
qu'elle espère terminer bientôt. Donc, ben, GG, je te dis un grand merci. Et comme je te disais, ben, fallait pas te contrarier. Donc, voilà, voilà. Enfin, elle était contrariée de ne pas avoir pu participer à mon concours. Mais enfin, moi, je comprends qu'on puisse pas participer à tous les concours. Que ce soit pour une question de temps, une question financière, parce que ça coûte cher quand même. Enfin, voilà. Bon. Alors, ensuite, je vais vous faire un haul. Ça va être un haul enfin compliqué. J'ai reçu aussi, donc Lola a reçu le lot du concours de Laetitia qu'elle ouvrira tout à l'heure en vidéo et je mettrai les vidéos ensemble. Je vais lui laisser son paquet ici, elle l'ouvrira elle. Ensuite, je suis allée dans un à Alpes Bureau, c'est comme Bureau Vallée ou les choses comme ça, voilà. Je suis retournée chercher du papier 210 grammes, du Clairefontaine 210 grammes que j'utilise principalement pour les tampolages et la colorisation. Donc je paye le ramette dans les 12 euros. Donc voilà, il y en a 250 à l'intérieur. Ensuite, j'ai voulu me faire un peu plaisir, j'ai pris du papier 120 grammes pollen. Il y en a 25 dedans. Non, il y en a 5. Il y en a 50. Oui, il y en a 50. Je crois qu'il y en a 25. Il y en a 50 pour 6 euros. Donc, alors, excusez-moi, je vais l'ouvrir. Souvent, quand je vais à Action, je ne trouve pas de carte stock. Et honnêtement, de temps en temps, je m'achète des blocs de papier comme ça pour faire des bases de cartes ou des choses comme ça. Bon, celui-là, il est un peu fin. Voilà, je vais pas. Enfin, je pourrais peut-être faire une carte avec, mais voilà. Donc, j'ai pris rouge parce que là, avec Noël qui arrive, voilà, la couleur rouge m'intéressait. C'est tout ce que j'ai pris là-bas, je crois. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris là-bas. Ensuite, je suis allée dans un magasin de loisirs créatifs qui est à côté de chez moi. Je ne vous donnerai pas le nom, mais c'est un tout petit magasin de loisirs créatifs. Et donc, ils faisaient des réductions sur les petites emporte-pièces comme ça, Fimo. Ça, c'est pour Lilou, donc voilà. Je lui ai pris ceux-là, ils étaient à 4 euros. Et ensuite, je crois que c'est tout. Je suis désolée parce qu'en plus, c'est le chantier sur mon bureau. Je suis aussi passée à Cultura. Alors, on y a été avec les filles, mais je sais pas si j'ai... Si, j'ai tout ici. Alors, on est passé à Cultura avec les filles. Et en fait, ils faisaient des promotions sur les formes en bois, comme ça, qu'elles se sont prises, du coup, pour Noël. Donc, celle-ci, elles étaient à 99 centimes. Et si on en achetait 5, la sixième était gratuite. Donc, elles en ont pris deux chacune. Voilà, c'est tout des petites formes à décorer qu'on mettra soit dans le sapin, soit en suspension, comme ça. Donc voilà, donc elles ont pris du papier. Alors, je vais vous montrer. Elles se sont repris du papier comme ça pour faire du... C'est pas du papier, c'est du papier, pas des, du papier décopage, voilà. Donc elles ont pris un bleu comme ça, un effet bois, un zébré. Alors voilà. Et un avec des cœurs comme ça, bleu et rouge. Donc voilà, ça c'est ce que les filles ont pris. Moi je me suis repris, je me suis pris ça parce que mon cutter, ma lame de. Enfin mon cutter de précision, il coupait plus rien du tout. Du coup, je me suis acheté celui-là. Il était à moins de 2 euros et franchement, je l'ai trouvé pas mal parce que d'un côté, voilà, il a la lame. Et de l'autre côté, on a le plioir qui est super sympa. Donc voilà. Après, j'ai acheté d'autres choses que je ne vous montrerai pas forcément. Je suis en train de réfléchir. J'ai acheté aussi ceci. Ça, je l'ai déjà utilisé. C'était à 5 euros. Donc voilà, il y avait des attaches parisiennes. Il y a 30 stickers, de la ficelle et du ruban. Ben, c'est tout sur le thème de Noël. Voilà. Ensuite, ce matin, j'ai été faire mes courses à Aldi. Et en fait, à Aldi, j'ai trouvé plein de choses. Donc c'est dans les 4. Ouais, c'est 3,99€ les stickers là. Bon après voilà. Ceux-là, ils sont automne. Et à la. En fait, bah, je vais vous montrer directement ici. Vous verrez peut-être mieux. Donc on a tous ceux de l'automne comme ça dans des ronds, des hérissons, des écureuils, des hiboux, des ours, tout ça. Et après, à l'arrière, c'est ceux de Noël. En fait, ils ont sorti l'automne et Noël en même temps. Je les ai pris parce que en début d'automne, j'avais rien et j'ai pas trouvé grand chose. De 1, de 2, j'en ai pris d'autres comme ceci. Alors cette planche, c'est surtout pour faire des cartes pour l'association dont je vous avais parlé. Là c'est pareil, donc on a une planche avec des hérissons. À l'arrière, on a cela avec les renards, les champignons, tout ça. Donc ça c'est très automne. Et ensuite on en a de Noël, comme ceci, avec les petites souris, les oiseaux, tout ça.
les paquets cadeaux, tout ça, quoi. Les petits bonhommes de neige, tout ça. Ensuite, ici, on a tous des étoiles comme ça de Noël. Ici, on a des chiffres pour faire un calendrier de l'Avent. Et derrière, on a tout ce qui est sapin, petite maison, pain d'épices, les chaussettes, les gants, enfin voilà. Voilà, ça se paraît, c'était à 3,99€. Ensuite, j'ai repris des petites étiquettes cadeaux comme ceci. Donc, je pense que ça doit être des mini-cartes. Je les ai même pas ouvertes, en fait, pour regarder. Mais... alors, je vais essayer d'en ouvrir une. Oui, donc, c'est des petites cartes. Comme ça, ben, parfois, quand on fait des petits cadeaux, si on veut juste marquer un petit mot, quoi, ça, c'est sympa. Enfin, voilà. Donc, ça me plaisait beaucoup. Donc, voilà. J'ai pris ceci. Ensuite... toujours dans les choses de Noël, j'ai pris des étiquettes cadeaux comme ceci. Donc là, on a des bonhommes de neige, des sapins, des sucres d'orge et des bottes de Noël. Ceux-là, ils me plaisaient beaucoup. Ils sont tout pailletés et tout. Du coup, voilà. Et ceux-là, c'était 1,99€. Ensuite, j'ai repris du papier cadeau dans les... ils étaient 1,19€, je crois. Donc je l'ai pris rouge comme ça avec les... canne à sucre, les flocons, tout ça, tout. Enfin, c'est pour emballer les choses du calendrier de l'Avent que j'ai fait à maman. Et là, je suis tombée sur du papier crépon. Alors, c'était 4€ et il y en a... alors, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Mais il n'y a rien de marqué. Ça, c'est pour bricoler avec les filles. On bricole beaucoup avec le papier crépon. Ah ben si, il y a 10 rouleaux de 2 mètres par 50 cm. Donc voilà, ça m'en fait un petit paquet d'avance, on va dire. Pour faire avec les filles, on aime bien faire des choses avec le papier crépon. Et là, comme ça va arriver Noël, tout ça, même on peut, enfin, on découpe des cercles et après elles font des boules ou des choses comme ça de Noël avec. Donc c'est assez sympa. Ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je réfléchis, mais il me semble que c'est tout bon. Donc, voilà. Tant que je suis à cette vidéo que je vais intituler Haul plus ouverture courrier plus blabla, parce que voilà. Je vais vous... alors, attendez. Ah, j'ai aussi acheté de la colle comme ça, mais ça se paraît, c'est plutôt pour les filles. Donc, celle-ci, elle a 1,99€. Apparemment, il y a un embout large ici de ce côté et un embout fin de l'autre côté. C'est la marque Tesa. Donc, si vous la connaissez, ben, dites-moi si elle est bien ou pas. Donc voilà. Donc là je fais la vidéo. Nous sommes vendredi. Vendredi, je ne sais pas combien. Je suis désolée, je vais regarder sur mon téléphone si je peux le voir. Vendredi 9. Et donc, alors, demain, le samedi 10, je vais passer à la poste. J'ai commencé à faire des cartes pour... enfin, j'ai fait des cartes pour remercier les gens qui avaient participé à mon concours. Je vais donc faire un grand envoi et je vais vous donner la liste des personnes à qui j'envoie. Afin que vous sachiez que vous allez recevoir quelque chose et que vous me teniez informé quand vous l'avez reçu, s'il vous plaît. Voilà. Et je demande juste qu'on me dise oui, je l'ai bien reçu. Voilà, je veux pas... voilà. C'est juste pour moi pouvoir le rayer au fur et à mesure et savoir qui a reçu. Donc, Babette, tu... enfin, alors, pour le remerciement du concours, je vais envoyer à Babette, à Laetitia, qui a la chaîne Scrap de chez Nono, à Nathalie M, à Véronique A, à Annie, qui a la chaîne The Lumiaris, à Marion, Marion, je pense que tu te reconnaîtras, tu es aussi sur mon groupe Facebook, j'ai qu'une Marion, il me semble, Marie Calac, Roxane Bertrand, Véronique B, Leila Créa, Jessica Créa Fimo Scrap, à Josiane Billet. J'envoie aussi le colis donc à Isaac Créa et à Claudine Dallot qui avait, elle, gagné le concours en même temps. Ensuite, je vais aussi envoyer la carte à Mireille Merlin pour l'échange qu'on a en cours sur le groupe de Rose Coco Bonbon. Et je vais envoyer à Kat ma participation au sapin et l'échange embellishment de box. Kat, tu ne prends pas peur. Il y aura deux... enfin, je t'envoie deux colis. Alors, j'ai décidé de séparer les cartons.
Parce que dans le premier, ben, j'ai mis la participation du sapin avec l'embellissement de box. Et dans le deuxième, j'ai mis des surprises. Sauf que comme je ne sais pas si ça va passer la douane ou pas, je voulais pas que tout reste bloqué. Donc j'ai pris la décision de faire deux colis en fait, plutôt qu'un. Là, je pense que voilà, ce qu'il y a là dans le carton, ça passera. Dans le premier carton, là, il y a vraiment que voilà la box. Il y a la box et ma participation au sapin YouTube. Donc ça, je pense que ça passera. Et après, le reste, ce que je vais t'envoyer, je ne sais pas du tout si ça va passer ou pas, du fait que tu t'as dit que voilà, comme ça partait par avion, ça passe des douanes, enfin bon, bref. Du coup, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Et voilà, je voulais pas que tout reste bloqué en France et que tout me revienne. Ou voilà, ouais, que ça reste bloqué et que ça me revienne. Donc j'ai préféré faire deux envois. Donc voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour faire l'ouverture du courrier à Lola. J'espère pouvoir vous faire une vidéo ben, rapidement parce que j'en ai marre de. Enfin j'en ai marre, oui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de tuto. Pour l'instant, il n'y aura plus de. Enfin, il n'y aura pas de live créatif ensemble comme on a fait parce que j'ai un problème d'ordinateur, j'ai la carte graphique de l'ordinateur qui est fichue. Donc j'ai mon petit, enfin mon petit frère, ouais c'est relatif, il a 18 ans, mais j'ai mon frère qui s'en occupe. Lui, il est plus calé que moi en informatique, donc il a pris l'ordinateur. Il va commander une carte graphique et on va changer la carte graphique, mais je ne sais pas pour combien de temps il y en a. J'en sais rien du tout. Donc pour l'instant, je ne peux plus faire de tuto live. Après, je ferai surtout, enfin certainement un live blabla, voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Heureux coucou à tous. Donc c'est la deuxième vidéo dans la même après-midi parce que je me suis bien rendu compte que j'ai oublié quelque chose, mais je ne savais plus quoi. Alors j'ai reçu une lettre de Cathy. Donc Cathy, ben, merci beaucoup. Elle m'a fait une petite carte. Ça, c'était la semaine dernière. Sur du papier embossé comme ça, qui est juste trop beau, avec un hello et des petits cerfs comme ça sur un ruban. En plus, ils sont dorés et voilà. Ils sont juste trop beaux avec les oiseaux et le hibou découpé comme ça. Voilà. Donc à ça, elle m'a joint tout plein de petites découpes que je ne vais pas vous montrer. Parce que là, ça va être un problème, je pense, de tout sortir. Donc, voilà pour le courrier de Cathy. Donc Cathy, ben, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous et je pense bien fort à toi. Voilà. Alors, je suis désolée, oui, j'ai oublié des choses parce que j'en fais tellement en ce moment que je suis. Enfin, j'ai tellement de choses que j'avais en retard et qu'il a fait que je rattrape. En plus, avec les vacances scolaires des filles, ça m'a plombé mon programme, on va dire, voilà. Hein. Donc voilà. Là, je suis en train de faire le calendrier de l'Avent de maman. Donc je voulais vous le montrer. Mais par contre, je vais baisser la caméra parce que sinon ça va être un problème aussi. Donc j'ai acheté un grand sac à Cultura en feutrine grise. Donc vous allez voir qu'il est assez grand comme ceci. Donc je vais vous baisser parce que tout n'est pas collé. Enfin, tout n'est pas cousu encore. On va essayer de reculer comme ça. Pas comment vous mettre pour que vous le voyez en intégralité. Donc voilà, donc c'est un sac avec des petites poches comme ça. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il a une grande poche au milieu. Je vais essayer de vous mettre des photos à la fin du sac nu, on va dire. Voilà. Donc le sac, je l'ai trouvé à Cultura. J'ai trouvé ça super sympa. Ben, pour faire un calendrier de l'Avent, ça change de prendre un sac. Après, ben, soit on peut le réutiliser toutes les années, soit on peut y ranger plein de choses dedans. Donc j'ai déjà commencé à y coudre des rubans comme ceci, celui-là en argent. J'avais acheté des petits badges comme ça, toujours à Cultura. Ben, c'est des badges que j'ai plus qu'à épingler, quoi, on va dire. J'y ai cousu aussi quelques galons où je vais les coudre en tout cas. J'ai mis aussi des petites maisonnettes, des étoiles en feutrine. Et du ruban principalement. Ici, j'avais fait une fleur. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Alors, je suis désolée pour le mal de mer, mais voilà, je vais plutôt vous mettre comme ça. Là, j'avais fait aussi une fleur en satin, quoi, que j'ai cousu sur la poignée du sac, à laquelle je vais ajouter un strass au milieu. Et sur toute la. Les lanières, en fait, j'ai cousu du ruban où il est marqué joie. Et du coup, à l'arrière, ici, je vais y mettre du ruban toujours. Mais ici, je vais le faire passer derrière, en fait, pour habiller aussi l'arrière des anses, on va dire. Et là, je vais venir le coller au pistolet à colle avec du rouge, comme ça, ça fera un contraste rouge-gris et blanc, quoi. Et je trouvais que ça faisait joli. Donc voilà.
Donc voilà le projet sur lequel je travaille en ce moment. Il faut que je me dépêche parce que voilà, on est déjà. Ben, le mois de novembre est déjà entamé, donc il faut que je lui donne avant le 1er décembre. Donc là, je vais faire toute la customisation, on va dire, du sac. Ensuite, je vais tout emballer mes paquets et je vais les mettre dans les numéros. Alors, ce que j'ai mis dans ce système, voilà, de pochette, ce que je disais, c'est que parfois on veut mettre des cadeaux d'une certaine taille ou, enfin, je sais pas, par exemple, quand on scrape, si on veut mettre un mini album ou des choses un peu plus importantes, ou même la pochette que j'ai fait pour mettre une tablette de chocolat et de thé. Eh ben, le problème des boîtes, on peut pas mettre ce genre de choses et moi, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai pris cette idée de sac avec plusieurs pochettes parce qu'il y a le sac au milieu et que vraiment, si j'ai des choses qui sont trop importantes et qui ne rentrent pas dans les pochettes qui ont déjà, pour certaines, elles ont quand même de belles tailles, hein, on va dire, voilà, un mini-album, là, enfin, dans cette pochette-là, par exemple, ça rentre largement. Ici, ma pochette à chocolat, voilà, une fois dans l'autre sens, voilà, elle rentrera aussi largement. Hein. Mais sinon, si j'ai des choses qui sont beaucoup plus volumineuses et que je veux mettre quand même, eh ben, en fait, je pourrais les insérer, ben, du coup, à l'intérieur du sac. Et du coup, c'est ce que je trouvais sympa avec ce format-là. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce calendrier de l'Avent plutôt qu'un autre. J'ai cherché pendant un long moment, je ne savais pas quel calendrier de l'Avent j'allais faire. Oui, parce que voilà, j'ai des choses qui sont déjà volumineuses, quoi, et qui ne rentrent pas dans des boîtes, dans des petites boîtes. C'est tout, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne vais pas non plus vous dire ce qu'il y a dedans. Parce que voilà, maman regarde ma chaîne, donc j'ai pas envie de lui dévoiler ce qu'elle aura avant qu'elle ouvre. Donc voilà, donc ben. On se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de l'ouverture de Lola. Je pense que cette fois, je n'ai rien oublié. Je vous dis, ah oui, et là, cet après-midi, j'ai un petit peu de temps avant d'aller chercher les filles. Je vais essayer de préparer d'autres courriers. Donc tout à l'heure, je vous ai donné la liste de à qui j'allais envoyer. Je vous redonnerai les noms des personnes à qui j'aurai eu le temps de préparer. Ben, à nouveau, les envois et tout partira demain à la poste. J'ai préparé mes. Voilà, c'est tout ce qui est là derrière. Voilà, tout ce qui est là. Bah, dans la panière Leclerc, en fait, j'ai un grand. C'est toutes les enveloppes avec les colis. Ici, j'ai un grand colis blanc. Et tout ça, ça part demain. Donc voilà. J'attendais samedi que Ludo vienne m'aider à porter tous les cartons. Donc voilà. À tout à l'heure. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors Lola, elle a gagné le lot du concours de Laetitia et Noémie sur la chaîne de Scrap et Nono. Donc c'est Noémie qui a fait ton lot normalement. Enfin voilà. Et donc tu vas découvrir ce qu'il y a dedans la grande enveloppe. Alors on essaye d'ouvrir sans tout arracher. Est-ce que tu veux que je sorte tout de l'enveloppe? Waouh! C'est qui? C'est à maman, pas moi. Non, c'est pour toi, regarde, c'est ta carte, c'est tout pour toi, c'est que pour toi. Tu veux que je te lise? Oui. Alors, coucou Lola, merci d'avoir participé à mon concours. Je te dis bravo d'avoir gagné. J'avais le plaisir de te faire cette carte. Bisous de la part de Noémie, le scrap de chat et Nono. C'est joli? Ouais. Tu montres la carte, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Une licorne. C'est trois fleurs. Et trois fleurs, et c'est marqué, les licornes, c'est la vie. C'est la vie, les licornes? Oui. Ah oui, t'aimes toi? Oui. Oui, allez, vas-y, découvre ce qu'il y a dans l'enveloppe. Tu vas faire toute seule, tout doucement. C'est ça avec des citrouilles. Des chats avec des citrouilles, ouais. C'est à gratter. C'est des autocollants, tu poses sur la feuille et tu grattes avec un bâtonnet. Ah. C'est des rubones. Pas. Oui, pour faire des décorations, des cartes, tout ça. On regarde le reste. Ah, des paillettes, mais quelle horreur! Oh là 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 là, des paillettes. Mais papa. Tu renverses pas celle-ci, hein. Oui. On a des yeux. Des petits yeux mobiles comme ça. On a des petits, des moyens et des grands. Ça c'est quoi? Des plumes. Oui, des plumes. T'as encore des choses dedans? Oui. Ouh là là, t'as tout sorti d'un coup là, attends.
Attends, ça devient compliqué. Je vais te sortir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hop. Voilà. Hop. Des tampons. Alors, il y a quoi comme tampon? Tu nous montres? Un ours. Un ours. Un chat. Un renard, non? Un renard, oui. Et? Un pingouin. Un ours, un renard et un pingouin. Ensuite. Bah ça tu vas pouvoir y aller faire tout de suite. Oui. C'est quoi? C'est un coloriage. C'est un petit livre de coloriage mandala comme ça. Hop. Moi je vous passe rapidement, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu. Fleur, vert, ça, ouais. Ça c'est des strass ronds et forme de fleurs. Alors ça on va peut-être ouvrir l'emballage, je sais pas. Oui. On enlève le plastique autour pour montrer. Oui. Alors je suis désolée pour le bruit. Oui. Hop, c'est des petits strass comme ceci. Et c'est pourquoi? Bah tu peux voir, mais il faut coller. Ça c'est ce que je colle dans mes fleurs, tout ça des fois, tu te rappelles? Ah oui. Ah oui. Ils sont beaux, hein? Oui. Alors dis-nous les couleurs, tiens. Je vais vous baisser comme ça, vous verrez ce qu'elle regarde en même temps qu'elle va vous dire. Ça c'est rouge, c'est rouge. Ça c'est bleu et rouge. Ça c'est violet. C'est jaune et c'est vert. Ouais. Ça te plaît? Oui. Ah bah génial. Ensuite. Un bâton de colle. Un bâton de colle. Super, hein? Oui. Et après. Un cahier. Non. Oui. Ouais, attends. Je vais te montrer. Ça, je pense que ça va beaucoup te plaire. Ça va beaucoup plaire. C'est des papiers pour faire du scrap, pour faire des ATC ou des choses comme ça. Tu tournes les pages comme ça en montrant en même temps? Ouais. On fait comme ça? Ouais. Donc, hop. Attends, hop. Ensuite, celui-là, il a des étoiles, des cœurs, tout ça. Alors, il y en a trois pareils, normalement, trois. Hop. Mini avec une tête de mini. Une tête d'étoile. C'est pas. Ça fait une tête de mini, comme une boule de Noël, un peu, t'as vu? Une boule. On a encore une mouche à cette époque. Bah, dis donc, elles sont pas mortes. Voilà. C'est une mouche. Oh, bébé, Mickey. Ouais. Mini Mickey. Pluton. Il y a Pluton. Et ça, c'est quoi? C'est sympa. Et des crottes d'arbre. Ouais. Là, c'est du houx et des cannes à sucre. Ça, c'est hop, un papier au motif de Noël avec des. Ben, Mickey, Minnie, et Daisy, Donald, Pluto, tout ça, quoi. Et voilà. C'est joli, hein? Ouais. Tu dis merci à Noémie, tu fais un gros bisou. Et à Laetitia, on vous dit merci beaucoup. Ben Lola est très contente d'avoir reçu son lot. Je vous fais des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.